Notre intention, nous venons d'attendre un caisse central marine pour le caisse central ici. Tu veux? Non mais je te mets de côté, hein, on rigole pas. Hein. C'est quoi déjà? Vas-y, montre-moi qu'est-ce qu'il y a comme jeu. Il y a Instant Sport, il y a My Fantasy Ranch, Fantasy Friends sous l'océan, et il y a Xenoblade. Ça, ça vaut le coup. Montre le prix, Youssef, s'il te plaît. Qui coûte 60 euros.
Il y a autres, LOL, c'est trop cher. La LOL sur je sais pas quoi. Pas quand même. LOL, LOL. Sous blister avec un steelbook. C'est quand moins 50%, ça veut dire c'est 25 euros. Ça, c'est un jeu jetable dans la poubelle. À la poubelle. Ça veut dire que ça coûte. Je sais pas. Remets-le à sa place, s'il te plaît. Doucement. Oui. Il y a ça. Montre un peu d'excès. Fantasy Friends. Ça. Qui coûte alors. 10 euros. 12,50. 12 euros. Ah oui, 12,50. Il y a KO comme. Ah, ça, c'est un bon jeu. KO, c'est comme Crash Bandicoot, sauf que. Oh. Un peu des trucs. Moins 50%. Ça veut dire c'est 15. C'est 15 euros. 30, 15, 16, 17 euros. Ouais, voilà. Il y a ça. Ça veut dire 20 euros. Avec Steelbook, 40 euros. 40, ça va être pas ça va. Voilà. Voilà. Après, c'est bon, c'est fini pour la pile Switch. Ouais. On va passer à la pile PS5. Là, nous avons un cadeau du CM à moins 50%. Ça fait 30. C'est des jeux qui se font. 32,50€. 32,50€. Généralement, c'est des jeux. Ça. Ça un steelbook tout seul. Ah, mais ça, c'est un jeu. C'est un steelbook. Steam. C'est un jeu PC. Et c'est moins 50%, c'est. 8€. Ouais. Environ. Battlefield. Moins 50%. C'est 20€. Allez, vas-y, passe. Pour Gouloum, il passe à 25, Gouloum. J'ai vu tout à l'heure. Moins 50%, là c'est 25€. C'est trop pour Gouloum. Là il y a New, je sais pas quoi, moins 50%, qui coûte 10€. Vampire passe à 10, parce qu'il y a 20, j'ai vu. Ça, qui coûte 20€. C'est trop. Hein. Ça qui coûte. Quoi? Un genou. Ça qui passe à moi, c'est con. Qui coûte 10 euros. Sport, vieux. Il n'est pas vieux, papa, c'est en 2023. Ah oui, d'accord. Plus on regarde le jeu de Latsing là. Ah, c'est moins 50% avec le micro. 60, il passe à 30. Et ça. C'est un jeu PC. 50%. Qui coûte 25€. On en fait un petit passage vite fait ici. Mais ça vaut pas le coup à 25%. Ça vaut pas trop le coup à 50%.
Salut les amis gamers. Salut les amis gamers. Aujourd'hui, on va tester un nouveau setup pour faire les vidéos. On galère un peu, c'est un peu zoomé. Là, j'ai pris un autre téléphone pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, en espérant que ça va vous plaire. C'est surtout en fait pour éviter que je bouge. Aujourd'hui, Youssef il est avec moi pour faire le compte rendu. Salut les copains. Aujourd'hui, je serai à votre compagnie. J'ai préparé devant moi par magasin parce qu'on a fait le solde en plusieurs jours. J'ai cherché un peu les tickets pour retrouver les prix. Certains, ils ont encore les prix. Certains, j'ai déjà enlevé, donc je ne me rappelle pas. Où ça a été dans les boîtes d'antivol et il n'y avait plus les tickets. On passe à l'autre vue. À de suite. Et voilà sur la deuxième vue. J'espère que ça va vous plaire et que vous ne trouvez pas que c'est trop zoomé. Pour le moment, j'ai trouvé ça pour ne pas bouger. Comme vous avez vu sur la vidéo, je suis passé à Boulanger, à Toulouse et exactement à Saint-Orens. Je suis arrivé carrément 10 à 15 minutes de l'ouverture, donc j'ai pu retrouver des bonnes choses. J'ai pas tout pris, mais j'ai pris ce que j'ai vraiment besoin. Je pense que la meilleure affaire, c'était les Amiibo de Mario Char à 10 euros. Déjà le petit, déjà Youssef est très content pour ça. Elle coûte 29 euros. L'Amiibo Bocoblin, il est à 10 euros. Là, j'ai hésité un peu, mais je l'ai pris quand même au lieu de 15. À voter. Là, c'est l'Amiibo Steve et Alex qui coûte 15 euros au lieu de 28 euros. Et encore 28 euros, c'est un bon prix. J'ai remarqué sur ce boulanger qui, en dehors de Toulouse, à Saint-Orens, il fait des bons prix de base par rapport à d'autres magasins. Et les soldes ont suivi. Alors, je me suis posé la question, est-ce que les mains sont extensibles? Du coup, on va regarder. Ils bougent ou pas? Moi, je pense qu'ils bougent. Je pense qu'ils bougent. Eh ben non, ils bougent pas. Ah, si. Mais ça te sert sur Super Smash Bros. Je pense qu'ils bougent, regarde. Non, s'il bouge, il t'en remontre. Lui, on dirait qu'il bouge, mais il bouge pas. On dirait qu'il bouge. Il bouge pas. Tu peux l'ouvrir si tu veux. C'est moi qui vais s'occuper au moins du début pour l'ouverture avec un ciseau. Faites attention, comme c'est un peu dangereux pour les petits. Donc je vais commencer juste à l'ouvrir. Et après, je lui laisse le plaisir de continuer à le faire. C'est l'unboxing. Voilà. Comme vous savez, nous, on est plus joueurs que collectionneurs. Donc, je vais l'ouvrir. Et je pense que là, il peut... Ouais, tu peux continuer à le faire, à l'ouvrir. Quand je le fais petit à petit, comme ça, je peux le remettre une tête. Voilà. Vas-y, continue. Attends, je vais mettre le ciseau, attends. Vas-y, continue. Allez. Voilà, à toi le plaisir. Après, je sais pas qui c'est Steve, qui c'est Alex. Steve, c'est le bleu peut-être? Steve, c'est lui. D'accord. Allez, on va voir de suite si les bras bougent ou pas. Moi, à vue d'œil, je pense qu'ils bougent. Tu peux, s'il te plaît, Youssef, tu peux déplacer le carton déjà? Parce qu'il le... Ah, je vais le faire. Je vais le faire. Fais-le tranquillement. Alors, sur téléphone, les couleurs ressortent bien, mais dans la vraie vie, les couleurs sont un peu plus sombres. Alors doucement, on sait jamais. Non, attends, je vais te mettre un rack. Tu ne veux pas l'abîmer. Ok. Voilà, tu peux le prendre. Tu peux, tiens-le. Hop. Et c'est les mains, est-ce qu'ils bougent? Moi, je pense qu'ils bougent. Je ne sais pas. Non, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas les mains. Ah, dommage. Les mains ne bougent pas. Regardez, là, c'est Made in China. Alors que pourtant, c'est Nintendo, c'est japonais. Parce que tout maintenant se fait en Chine. C'est pour ça. Donc Steve, voilà, ça sera pour décorer et pour jouer.
Voilà. Pour Smash Bros. Et pour Smash Bros. Allez, on passe aux autres. Ça a été Youssef. C'est le mec. On passe au reste des achats. Là, Pokémon, ça sera pour Youssef. Donc, j'ai marqué 20 euros. J'ai mis B pour savoir que c'est boulanger. C'était le même boulanger de Saint-Eurens. Voilà. Si tu peux nous parler de ce jeu, pour celui qui ne le connaisse pas. C'est un jeu Pokémon. C'est un peu monde ouvert. Un peu monde ouvert. Et même, il y a un mode en ligne pour jouer en mode ouvert. Avec faire l'histoire avec des gens en ligne. Ou ses amis en rejoindront, je ne sais pas quoi. Et il faut devenir le maître de la ligue. On passe au reste. Là, c'est Lego Brawls qui est moins 80% et qui coûte. Alors, c'est le seul jeu que j'ai acheté à la Fnac. Vous avez vu sûrement sur la vidéo. J'ai gardé le plastique juste pour me rappeler. Et il contient la mise à jour PS5 gratuitement. Pour le prix, je l'avais acheté 30 euros moins 80, c'est 6 euros. Youssef est actuellement en train de le jouer. Peut-être qu'on va faire des lives dessus. Et en plus, l'image, elle est excellente. Il est très, très joli sur PS5. Oui, mais en fait, j'ai un peu... J'ai pas dit que je l'aimais. Dans ton avis, vas-y. Et c'est quoi ton avis, Youssef? En fait, le jeu, il est trop répétitif. Et en plus, il faut le... Il faut avoir le PS Plus que tu payes l'abonnement pour pouvoir jouer en ligne. Sinon, tu joues que contre des ordinateurs et c'est que la même chose. D'accord. Donc, c'est plus, ça sera plus avantageux si on prend le live avec le PS Plus avec. Mais okay. Il n'est pas trop... Okay. Ça dépend. C'est pas un jeu excellent, mais ça dépend. D'accord. Moi, je prends le PS Plus uniquement pendant les vacances. Parce que hors des vacances, ça sert à rien. Je joue pas beaucoup. D'accord, allez, on passe aux autres. La moto fait mu. Pourquoi j'ai dit que la moto fait mu. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté chez Micromania à 20 euros. Je suis rentré à Cultura, j'ai trouvé un seul jeu. Là, je l'ai noté en fait 10 euros chez Cultura. J'ai retrouvé le ticket après. C'est 9,99 au lieu de 19,99. C'est-à-dire 10 euros au lieu de 20 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Kidd, c'est un jeu rétro sorti chez Sega. Là, c'est un jeu qui a été créé par un fan au début. Ça a tellement été bien fait que ça a été commercialisé. Là, je ne l'ai pas encore ouvert. J'avais déjà la version sur Switch que j'ai acheté à 13 euros. Dedans, il y a un porte-clés de Alex Kidd en cadeau. Qu'est-ce qui est bien sur ce jeu, c'est qu'en fait, tu peux jouer en mode la qualité meilleure de maintenant ou tu peux jouer et la même qualité que Mega Drive. Sauf que les pixels, ils sont un petit peu mieux. Ils sont pas flous. Ah, je savais pas ça. J'avais juste joué en qualité améliorée. Ok, ça marche. On passe aux autres. Là, on va passer sur les jeux Carrefour. J'avais fait 3 Carrefour différents. Et j'ai eu droit à une réduction comme ça. Que j'ai utilisé le jour même. C'est-à-dire, dans mes achats, j'ai pu aussi économiser 3 euros. Pensez à acheter plusieurs fois ou faire des coupures. Et ça vous permet en fait d'utiliser les tickets le jour même. C'est-à-dire il sort maintenant, hop, vous pouvez l'utiliser de suite. J'ai acheté ça pour identifier une deuxième manette. Par contre, ils n'avaient que la couleur bleue. Donc c'est très facile. Vous enlevez le plastique noir et vous mettez la bleue. Et là, vous avez une manette de couleur un peu différente par rapport aux autres. Et c'est 5 euros. J'ai pris un certain temps à regarder les tickets. J'ai fait les 3 carrefours en plusieurs fois. Donc j'avais plein de tickets, j'ai tout gardé. J'ai retrouvé les prix. Cette année, je me suis focalisé sur la PS5. Comme j'ai acheté la PS5 récemment, j'ai pris des jeux PS5 ou PS4 récents. Comme souvent, il y a la mise à jour vers la PS5 gratuitement. Il faut juste garder le jeu PS4 pour l'insérer. Voilà, c'est 5 euros. Je pense que la Netflix. Ah oui. Pour la suite, Astérix et Obélix, voilà, à 5 euros, qui est une édition limitée, du coup, tu as des stickers à l'intérieur. Et on a la version vers la PS5 gratuitement. Et oui. Pour la suite, c'est The House. The en House. En France, on dit The, mais en Algérie, on dit The. The House of the Dead. The House of the Dead. The House of the Dead. Le remake qui coûte 5 euros au lieu de 10 euros.
et regardez, ça fait 3D, je sais pas. C'est un remake d'un vieux jeu avec la mise à jour PS5 et je l'ai payé 5€. Pour la suite, nous avons Wade the Hunter qui coûte oui. qui coûtait 40€, mais la promotion fait que ça coûte 5€. Way of the Hunter. Way of the Hunter. Way of the Hunter. Le chemin du chasseur à 5€. Pour la suite, c'est Sniper Elite 5 qui coûte 4€ au lieu de 40€. Au lieu de 40€. Et en plus, il y a la mise à jour vers la PS5. Qui est gratuite. Qui est gratuite, oui. Pour la suite, c'est Elex 2 qui coûte 8€ au lieu de 30€. Ce jeu-là est soldé partout. Je pense que c'est pas un excellent jeu. On verra bien. Attends, je baille. Ça fait du bien. On continue. Pour la suite, c'est 5€ Dragon Ball The Break Special Edition sur PS4. Je l'ai acheté pour le prix. Phobia qui coûte 7€ à Carrefour. Là, les prix ne sont pas encore sur les boîtes parce que je les ai achetés. Pour la suite, c'est Vertigo qui coûte 5€ au lieu de 40€ voilà. sur PS4 édition limitée avec la version PS5 gratuite. Là, il se fait un peu fatigué. Donc, je ne suis pas énergique comme d'habitude. On passe au jeu Switch. Nous avons Koh-Lanta qui coûte 8€ au lieu de 30€ avec son DLC. 8€ Instant Sport Summer plus Winter. Summer, les jeux d'été. Winter, les jeux d'hiver. On les voit là. Là, les jeux d'été. En fait, il y a deux jeux sur le même. Donc, vous avez les jeux d'été et les jeux d'hiver. Donc ça vaut le coup, c'est deux jeux en un à 8€. Chez Carrefour, toujours. My Baby Chien et Chat, ouais. qui coûte 8€ au lieu de 30€. Voilà. Ensuite, c'est Puy du Fou, qui coûte 5€ au lieu de 30€. Ça, c'est un jeu jetable, ça. Ensuite, c'est Moonrunner America Wilds. 5€ au lieu de 40€. C'est une excellente affaire. Mon père trouve que c'est un bon jeu. Et du coup, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Toujours chez Carrefour. C'est la première fois que j'achète d'ailleurs un pop. On va pas le garder. On va l'offrir vu le prix. Pour le prix, c'est 1€ au lieu de 15€. En plus, c'est Hulk de Marvel. Du coup, c'est quand même une très bonne affaire. On continue avec les jeux de Carrefour. J'ai acheté le même jeu sur Switch à 10€. Pour le reste, j'ai pas retrouvé le ticket. Je vais vous donner des prix approximatifs. Celui-là, je n'ai pas dépassé 10€, mais je ne me rappelle pas. Soit 8 ou 9 à Carrefour. Là, c'est Far Cry 6, aux alentours de... Celui-là, je pense que c'est 5€. Alien, c'est Alien, sur, ouais. Avec la mise à jour PS5 gratuite, qui est un jeu PS4. Oui, sincèrement, je ne me rappelle pas. Je sais que je ne l'ai pas payé cher, sinon je ne l'aurais pas pris. Mais aucune idée combien je l'ai payé. Ensuite, c'est le jeu Session, qui est un jeu de skate, voilà. qui est un jeu sur PS5. Pour la suite, c'est Forspoken sur PS5, un jeu d'aventure. D'ailleurs, j'ai failli l'acheter chez Micromania. Parmi les jeux que j'étais en train de chercher pendant les soldes, j'ai trouvé que le prix a un peu baissé, mais pas énormément. C'est Dead Cell Return to Castlevania. Il s'agit du jeu Dead Cell avec le DLC inclus de Castlevania. Ce jeu-là, je l'avais acheté chez Micromania le jour même de sa sortie. Pour le reste, le jeu dans sa version PS5, je l'avais payé chez Leclerc hors promo à 35,90€. 36€ environ. Chez Micromania, il est actuellement à 34€. Je l'ai acheté hier. Comme je suis très fan de ce jeu, j'aimerais bien l'avoir dans toutes les consoles. Pour le moment, je les garde sous blister. Sur le PC, je l'ai déjà. On passe aux autres jeux. Chez Leclerc, j'ai acheté deux jeux PS5. Le Outriders à 5€. Le Vampire à 9€. Et c'était Leclerc Saint-Eurens, près de Toulouse. J'aimerais vous dire qu'il va y avoir quelques vidéos de stop motion que mon fils Youssef est en train de tester. Oui. Ça sera avec des Lego, donc j'espère que ça va vous plaire. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu.
pour vous quelle est la meilleure affaire qu'on a pu faire. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires, partager, donner vos avis, des conseils. Si vous voulez un projet de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos enfants. C'était Hakim et Youssef. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si vous avez des animaux de compagnie, n'hésitez pas à les manger. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.